国艺术家 Toma 拍下城市中建筑物切割出来的天空，结合他充满童趣的插画人物，创作出天空艺术作品，展现出日常环境的不同面貌。台湾三星2017年发起原住民族数位教育学习计划，协助台湾在地文化生根，邀请法国艺术家 Toma 大多数孩童来自赛夏族的苗栗东河国小，运用平板带领孩子们体验艺术创作过程，让学习突破传统框架及场域限制，开始原民孩童的无限创作力。Je ne sais pas si on peut apprendre à imaginer, mais en tout cas, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer de ce que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai fait pour dessiner sur mes photos, enfin, surtout dans le ciel. 最主要的用语在于我们资讯课的搭配。那我们通过资讯课拍摄主语，自己去学习主语，后来拍摄拍 MV， 或者让自己是主角，或者别人是一个那个剪辑者。那这样子的一个搭配，让这个课程更有趣。这一次透过我们的外国朋友过来跟我们介绍，其实拓展了他们的视野，也让自己知道除了拍摄以外还可以做其他的巧思的一些构图，还有做创作，这部分是应该是没有错过的。C'était plutôt facile de travailler avec les enfants parce qu'ils étaient super motivés. Au début très timides, mais après ils étaient super motivés. Donc ils ont rigolé, enfin ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient.Moi, au début, je donne une idée aux enfants. Je les laisse dessiner pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Parce que si on est derrière eux, ils vont pas dessiner directement. Ils vont être timides, ils vont pas. Donc il faut d'abord les laisser dessiner. Et après, j'essaie de tourner un petit peu autour des tables pour donner des idées ou les encourager, tout simplement, à dire que c'est bien. Alors, c'est上色的时候会更漂亮，可以把今天拍下来的照片当作画板，然后把自己想象的东西画在照片上面。Je pense qu'ils ont bien aimé aussi dessiner sur un support différent que sur du papier, parce que c'était un peu plus moderne, donc c'était, je pense, ça devait être un côté un peu cool de la chose. C'est peut-être une nouvelle perspective, une nouvelle vision par rapport à un dessin, parce que d'habitude on peut dessiner sur une feuille blanche.Que là, on peut dessiner directement sur des photos. Donc, ça peut donner encore plus de créativité, je trouve.